2009, j'ai pris ma retraite et le 30 août, j'ai fait une fête d'entrée en retraite et en rangeant ma boîte de courrier, j'ai retrouvé ce mail que j'ai envoyé pour remercier les participants. Chère famille et amis, quelle belle fête nous venons de passer ensemble. Françoise et moi avons été magnifiquement gâtés par votre présence chaleureuse. Quel bonheur dans le repas partagé sur la place de l'église, avec en apothéose les chœurs ligures auxquels tout le village a participé. Merci pour tous les cadeaux dont vous nous avez comblés. Merci pour la pendule en cristal de baccarat, avec la carte qui l'accompagnait, le temps, le savour, en bien l'évidence de sa brièveté. Merci pour la croisière en Méditerranée sur les pas de Saint-Paul avec le journal La Croix. Merci pour l'abonnement à Grande Galerie, le mensuel de la Réunion des musées nationaux. Françoise a été particulièrement sensible au magnifique manuel de création d'un jardin de plantes médicinales, créant et en entretenant ce jardin dans notre rocaille, nous pourrons méditer les vers de Paul Fort vers l'exergue de l'ouvrage « La vie simple, aux travaux ennuyeux et faciles » est une œuvre de choix qui fait beaucoup d'amour. Et je vais m'attaquer sans plus tarder à la réalisation de la grande tapisserie intitulée « Soleil sur l'échafaudage » librement inspirée d'un motif de Fernand Léger, les heures, les jours, les mois que je vais égrener à passer et louer les fils de laine pour édifier ce véritable monument à la gloire des travailleurs qui illuminera notre salon. Ces prochaines années de travail gratuit, de travail choisi, seront le pied de nez au travail contraint dont je suis désormais libéré. Avec toute mon affection et mon amitié, Bernard. C'est du lard du cochon. Alors, vos sourires me font penser que vous pensez que ce n'est pas crédible. Hein. C'est pas crédible qu'un militant communiste se fasse offrir de quoi faire une tapisserie soleil sur l'échafaudage. C'est pas crédible que des cathos de gauche aient une croisière sur les pas de Saint-Paul en Méditerranée. C'est pas crédible. C'est quelque chose de plus haut, ça. C'est pas crédible qu'une psychiatre qui a passé toute sa vie professionnelle à se bagarrer contre la médecine organiciste ait droit à un cadeau de création de jardin de plantes médicinales. Ok. La fête a bien eu lieu, mais on n'a pas eu ces cadeaux de merde et je n'ai pas envoyé cette lettre à la cour. Et résumé là, les poncifs qui traînent sur la retraite. Le temps se savoure, prend bien l'évidence de sa brièveté, la vieillesse, le repli sur un univers restreint, le jardin, le puis de temps en temps, une bombardée exotique, une visite de musée. Et puis ce. Cet ersatz de travail, de bénévolat. Ce qu'il y a de commun à tout ça, c'est l'irresponsabilité économique. Un retraité est considéré comme
libérés du travail et irresponsables économiquement. Il a fait sa part. Dans un train, je fréquente beaucoup les trains, dans un train, mon oreille traînait comme ça, il y avait un truc à quatre places, il y avait un couple de retraités, et puis à une gare est monté un homme d'une trentaine d'années qui a engagé la conversation avec l'homme, la femme, ça n'existe pas, ce genre de truc, et il lui a dit, ben bah, oui, ça y est, vous êtes en retraite, vous avez fait votre part, ouf, c'est bien. Et puis l'autre a répondu, et puis ma retraite, je l'ai achetée. Vous voyez, on a là toutes les impasses dans lesquelles notre orientation de la retraite est engluée. Et c'est ça que je voudrais mettre en cause ce soir. Et faire valoir que nous avons en matière de retraite un déjà-là communiste qui n'a rien à voir avec la présentation que je viens d'évoquer. C'est une veste, d'accord, et c'est des galons. Je suis entré en retraite avec 100% de mon dernier salaire. 100% de mon dernier salaire net, qui était le meilleur puisque j'étais fonctionnaire. J'étais contractuel pendant 13 ans. Et puis ensuite, quand j'ai été titularisé, une retenue sur mon salaire pendant une quinzaine, une vingtaine d'années m'a permis de convertir en années de fonction publique mes 13 années contractuelles, et donc je suis parti avec une carrière complète de fonction publique. Cadeau de gauche, donc 5 enfants. 5 enfants, ça fait 75% du salaire brut, plus 10% pour les trois premiers, plus 5% pour chacun des supplémentaires. Alors, on ne peut pas aller au-delà de 100% hein, du salaire net, mais je suis de fait à 100% de mon salaire net. Alors que je n'ai jamais cotisé à une caisse. Dans la fonction publique d'État, il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de cotisation. Il y a une retenue pour pension, mais qui est une pure jeu d'écriture, ça, c'est un flux monétaire qui va à une caisse, ensuite c'est l'État qui paye, le trésor public, qui paye les fonctionnaires jusqu'à leur mort. Alors pourquoi les paye-t-ils jusqu'à leur mort? Pourquoi est-ce que la pension, c'est la poursuite du traitement, comme on le dit, depuis 1853, c'est pas tout à fait récent. Hein. Alors il y a eu ensuite une série de conflits autour de la chose, mais... Pourquoi? Parce que un fonctionnaire a des galons. Il a des grades, il a un grade. C'est né dans l'armée. Hein. Au départ, le grade qui caractérise la qualification d'un fonctionnaire, c'est dans la marine, chez les officiers de marine, que ça s'est construit, et puis progressivement, tous les fonctionnaires ont été payés pour leur grade et non pas pour leur poste. C'est le grade du fonctionnaire qui décide de son salaire, quoi qu'il fasse, sur quelque poste qu'il soit. Et s'il change de poste, il ne change pas de salaire. Pourquoi? Parce que c'est lui-même qui est le support de la qualification. Ce n'est pas son poste qui est le support de la qualification et donc du salaire, c'est lui. C'est un salaire à la qualification personnelle. Et comme le grade ne se perd pas avec la fin du service, un capitaine, il est capitaine jusqu'à sa mort, je ne crois pas un prof agrégé surtout jusqu'à sa mort, eh bien, le salaire ne s'arrête pas non plus. Puisqu'il est lié au grade, et c'est sur ce modèle que
En 1946, l'ensemble des salariés du secteur privé, dans le régime général, ont eu droit à une pension qui est un remplacement de leur meilleur salaire. Les mots clés, c'est salaire de référence et taux de remplacement. Le modèle a été construit sur celui de la fonction publique, dans l'esprit de Croizat et de tous les cégétistes qui ont construit ce régime général en 1946, c'était le salaire des 6 meilleurs mois qui devait être, comme dans la fonction publique, le salaire de référence. On n'en était pas encore là. La dernière victoire obtenue dans ce domaine, c'est les 10 meilleures années en 1970. Mais dans l'esprit des initiateurs, il s'agissait de passer aux 5 meilleures, puis à la meilleure année. Et en même temps que Croizat crée le régime général, Marcel Paul, un autre ministre communiste, crée le statut des électriciens et gaziers avec une pension de retraite qui s'appelle salaire d'inactivité de service et qui est construit de la même façon. Et d'une façon générale, tous les salariés à statut, comme on dit, ont une pension qui est la poursuite de leur traitement, pas forcément à 100%, comme c'est mon cas, 100% du net, hein, ça c'est la situation optimale, mais ce type de pension, qui ne repose donc pas du tout sur la somme des cotisations qui ont été accumulées au cours de l'existence, qui repose sur la volonté d'attribuer du salaire aux retraités, explique aujourd'hui les trois quarts des prestations des régimes de retraite. Les trois quarts des prestations des régimes de retraite sont fondées sur la pension comme salaire continué, avec un taux de remplacement moyen qui est aujourd'hui, le taux de remplacement, c'est première pension nette, ce dernier salaire net, de 75%, quelles que soient les carrières. C'est moins qu'il y a 20 ans, hein, pour les retraités partis en retraite avant les réformes initiées par Rocard. Le taux de remplacement était de 84%. Donc, on a eu une baisse. Les réformes ont réduit le taux de remplacement, mais il n'est pas, cela dit, nul. Hein, nous sommes en moyenne à 75%, avec un taux de remplacement qui est proche de 100% pour un dernier salaire au SMIC, et puis un taux de remplacement qui tourne autour de 60% pour un dernier salaire autour de 3 000 euros, supérieur à 3 000 euros, net. Voilà pour ce mode de pension qui attribue du galon. Le pensionné, il a une qualification qui lui est propre. Ce n'est plus son poste qui est payé. C'est pour ça qu'on fait des fêtes quand on est en retraite. Ce n'est plus le poste qui est payé. On n'a plus besoin d'aller sur le marché du travail pour être reconnu comme travailleur. On a un salaire lié à la personne. Le salaire à la qualification personnelle. J'aurais besoin que vous aboyiez. Ce ne sera pas la seule interaction. Est-ce que vous pouvez aboyer, s'il vous plaît? Un jappement, un aboiement. Qu'est-ce qu'il y a, mon bon Macron? Ah oui, mais c'est mon panier. Ah mais oui, avec tous mes points. Oh, je vois, j'ai beaucoup de points de pension. Alors là, c'est l'autre quart. D'accord.
Le quatrième quart des pensions est né, selon une toute autre logique, à la même date que la pension comme salaire continué des fonctionnaires, en 1850, là on est sous la Seconde République, et créé une caisse nationale des retraites, et cette caisse nationale des retraites garantit un taux de rendement assez élevé, c'est le rendement des bons du Trésor, dans une période non inflationniste, c'est un taux de rendement assez élevé, à des comptes épargne, retraite, constitués à l'initiative facultative de salariés, avec un abondement possible de leur employeur d'ailleurs, ou de travailleurs indépendants, auprès des caisses d'épargne, et c'est la caisse des caisses d'épargne, la caisse des plus consignations, qui avait été créée peu de temps avant, en 1818, qui est chargée de gérer cette caisse nationale des retraites. C'est facultatif, ça foire, et il y a une tentative de le rendre obligatoire en 1910, c'est les retraites ouvrières et paysannes, qui là encore échouent. La Cour de cassation saisit un certain nombre de contentieux. Dès 1911, rend facultatif le dispositif. Ce n'est qu'en 1930, en liant cotisation retraite et cotisation maladie, parce que autant la cotisation vue de la retraite est impopulaire dans les catégories en tout cas populaires, autant la cotisation vue de la maladie est populaire. Et donc l'astuce du Parlement va être dans les assurances sociales de 1928-1930 de conjuguer dans une cotisation unifiée retraite et santé, avec une partie de la cotisation, la plus grosse partie s'agissant de la retraite, qui alimente un compte d'épargne retraite. Le compte épargne retraite est supprimé en 1941. En 1941, Vichy affecte toute la cotisation retraite à un forfait pour pouvoir assurer des ressources minimales, faire face à la pauvreté de guerre, l'allocation vieux travailleurs salariés, et ce qui est sur les comptes est gelé, et puis avec l'inflation, ça va disparaître. Ça ne vaudra plus rien très vite. Et le patronat, au lendemain de la guerre, prend acte de cet échec de la capitalisation. Vous voyez là, ce qu'on appelle la capitalisation, c'est-à-dire le fait de faire de l'épargne en vue de la retraite. Ça échoue. Il n'y a pas qu'en France, hein, la capitalisation, ça échoue à peu près partout. Et donc, c'est désormais en répartition, c'est-à-dire sans qu'il y ait accumulation d'épargne sur un compte, des épargnes placées dans des titres, c'est en répartition que le patronat va construire, contre la retraite comme salaire continué, la retraite comme différé de cotisation accumulée dans un compte. Ce sera en 1947, l'AGIRC, pour les cadres, et dans les années 50, l'ARCO, pour l'ensemble des salariés du privé. Pour les cadres, il a fallu vite changer leur nom, hein, en 1945, on les appelait jusque-là collaborateurs, mais c'était plus difficile. Et donc, les collaborateurs relevaient jusque-là de régime d'assurance groupe, parce qu'ils n'étaient pas concernés par la loi de 1930 sur les assurances sociales. Cette loi concernait les salariés dont le salaire était inférieur à un plafond d'affiliation. En 1946, le régime devient général et donc le plafond d'affiliation est supprimé. Mais en revanche, il se transforme en plafond de cotisation. Tout le monde est affilié, y compris les ex-collaborateurs, mais on ne cotise que dans la limite du plafond et on a de prestations aussi que dans la limite du plafond. Il y a un espace pour un régime complémentaire pour tout ce dont le salaire est supérieur au plafond. Cet espace que les communistes et la CGT combattent, mais qui va être utilisé par le patronat, par la SFIO, par le MRP, par les gaullistes, ça c'est sur le plan politique, par la CFTC et par Force Ouvrière, qui se crée par scission de la CGT en 1947, pour construire, dans les années 50, ça démarre massivement avec les accords Renault de 1956,
un régime complémentaire de retraite pour tous les salariés du privé. Pas simplement ceux dont le salaire est supérieur au plafond. Et c'est l'ARCO. La CGT est vent debout contre la création de l'ARCO, comme elle l'avait été contre la création de l'AGIR. Elle revendique le déplafonnement du régime général. Elle revendique un régime unique dans lequel tout le monde a droit à la poursuite de son salaire. Ça, le patronat ne veut pas entendre parler, ni les socialistes, ni les chrétiens-démocrates, ni les gaullistes, ni ceux qui libèrent ensuite la CFDT, enfin la CFDC, ni Force ouvrière. Et au lieu d'un régime général qui est géré par les travailleurs eux-mêmes, puisque ce régime général est géré par les conseils d'administration dans lesquels les travailleurs élus sont les trois quarts du conseil, et puis ils ont la compétence générale, élisent les directeurs ou directrices de caisse, alors que les directeurs de caisse n'ont qu'une compétence limitée. Enfin, bref, ce modèle de démocratie sociale, avec des élections régulières, est récusé par tous ceux dont je viens de parler, qui préconisent un dispositif paritaire. Paritaire, ça veut dire patronal, parce qu'il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons. Hein. Un dispositif paritaire qui, lui, n'assure pas la poursuite du salaire, mais le différé des cotisations. J'ai cotisé, j'ai pas. Ça veut dire des choses, hein, d'être retraité comme ça. Ou retraité comme ça. Là, je suis à poil. Je suis à poil du point de vue de la valeur économique. Je suis à poil du point de vue de la qualification. La qualification, c'est la reconnaissance qu'il y a contribution à la production de valeur. Ce n'est pas le diplôme. Le diplôme, c'est la certification. Hein. Je suis à poil. Mais j'ai un panier que je remplis. Et quand je suis retraité, ben, ma foi, ben, je consomme mes points. Le vieil. Toute autre chose est d'être revêtu de la qualification et de conserver sa reconnaissance comme producteur de valeur. Je vous propose une autre type d'intervention, pas des aboiements cette fois-ci, mais quelque chose qui compare le panier au piano. D'accord ? Le piano. D'accord ? La classe dirigeante nous convainc qu'on ne peut pas faire la révolution, que si on veut passer du panier qui est la forme capitaliste de pension. Dans le capitalisme, ne travaillent que ceux qui ont un emploi. Les autres ne travaillent pas. Donc, en retraité, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas, donc il n'a pas droit du salaire. On ne peut pas passer du panier, au piano, qui est la forme communiste de la pension. Je suis moi-même titulaire d'un instrument dont je joue jusqu'à ma mort. Et j'entends bien décider du travail jusqu'à ma mort, être en responsabilité économique jusqu'à ma mort. Alors, pour montrer qu'on peut passer du panier capitaliste au piano communiste, qu'il n'y a jamais de révolution possible, la bourgeoisie nous fait dire, dites-moi de plus en plus vite, panier piano. Allez-y voir, de plus en plus vite, d'accord ? On y va, là ? Allez, hop, là ! Panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, panier, piano, et on s'en perd les filles, on croyait avoir changé, et puis c'est pareil. Alors nous allons faire la démonstration que l'on peut passer du panier au piano.
On va pas dire comme la bourgeoisie de Saint-Avis. On va faire une petite séquence pour montrer qu'il y a révolution. D'accord. On va dire panier, piano. On y va. Panier, piano. Panier, piano. Panier, piano. Je reviens en 2009. La MGEN, la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, m'envoie une petite lettre qui est en annexe de Valeur Mutualiste. Ça, c'est un numéro récent de Valeur Mutualiste. Vous voyez, il y a passons du bel âge, parlons du bel âge plutôt que du vieil âge. Je vous dirai quelques extraits de cette chose-là qui est d'avril 2018. Alors, la lettre que je reçois à l'époque est la suivante. Cher Abel, la retraite est un temps très attendu, mais qui peut réserver de mauvaises surprises. À l'occasion de la foire exposition de Nancy, venez sur notre stand, j'habite Nancy, ouvert de 10h à 20h, vous y trouverez tous nos programmes de préparation à la retraite. Entre autres, comment constituer son dossier, quelle technique de maintien en bonne santé sans perte de mémoire, comment entretenir une riche vie sociale, quel statut pour les aidants familiaux, car souvent les retraités sont confrontés au grand âge de leurs parents. Vous trouverez aussi en annexe la liste des activités associatives dans la région de Nancy et notez la date de la prochaine rencontre de préparation à la retraite à Metz qui sera consacrée aux habitats participatifs. Nous vous attendons à bientôt. Si je feuillette, là c'est en 2009, d'accord, mais si je feuillette ce numéro d'avril 2018, vous avez un expert, hein, c'est expert, expert, entretien avec Olivier de la Doucette. La Doucette ? Oui, psychiatre et gériatre attaché à l'hôpital de la piété Sainte-Pétrière. Alors c'est des... Comment accompagner, hein, comment faire en sorte que les retraités soient en bonne forme, hein. Ben, d'une part, c'est à eux de se prendre en main. Ils doivent faire plus de choses pour la société en s'investissant dans le monde associatif, par exemple. Ça donne du sens à la vie. Ils puissent se rapprocher de la spiritualité, pas nécessairement religieuse, parfois tout à fait laïque. Ça y aide, si on y consacre du temps. Puis on peut aussi s'ouvrir au monde, notamment avec des outils comme Internet. Les seniors l'ont bien compris, qui se connectent maintenant de plus en plus. En effet, il s'agit d'entretenir sa réserve cognitive, autrement dit son capital cérébral. Et la meilleure manière de le faire, mêle plaisir, stimulation intellectuelle et convivialité. Tout ce qui est amusant et bon à prendre. Le plaisir génère la motivation primordiale. Quand est-ce qu'on va arrêter de les prendre pour des cons? Et vous voyez à quoi mène l'irresponsabilité économique, hein, cette représentation du retraité comme quelqu'un qui a fait sa part. Ben, j'ai pas fait ma part, d'accord. Mais j'entends bien, j'ai pas envie de me calmer. Bonjour, M. Frieux. Ça, c'est un mail que vous reçoit plein de mails, évidemment. J'en aussi un. J'étais au débat que vous animiez à Poitiers vendredi dernier. Et vous étiez très entouré à la sortie, j'étais pressé. Et j'ai juste pris le temps de vous demander votre adresse, car si je vous ai bien compris, vous voulez que tout le monde travaille jusqu'au bout. C'est la suppression de la retraite, en quelque sorte. Bonjour la gérontocratie. Et puis qu'est-ce qu'ils font les retraités quand vous dites qu'ils travaillent? Ils ont droit à du salaire. Tous ne sont pas actifs comme vous. Sans compter ceux dont la santé s'est dégradée. Ils travaillent les gravataires. Et puis beaucoup comme moi n'ont aucune envie de continuer. Ils veulent rompre avec leur vie de travail pour faire autre chose. Je suis impatiente de vous lire. «
sur la gérontocratie. Je fais plus d'enseignement, je n'aime pas le terrain, d'accord. J'explore des chemins nouveaux du travail, je fais de la conférence gesticulée, par exemple. La responsabilité du retraité, c'est d'explorer des chemins nouveaux du travail. Ça suppose bien sûr qu'à un âge politique, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un âge politique de la retraite, on soit libéré de toute responsabilité organisationnelle. Effectivement. On emmerde les gens jusqu'à 90 ans. Et qu'en revanche, on conserve une responsabilité économique dans l'exploration de chemins nouveaux pour le travail et de ce qu'il y a à faire. Sur les gravataires, j'ai eu le privilège de recueillir en 2010 les derniers souffles de mon père dans mes bras, samedi matin. Quand je sais comment la façon dont il est mort m'a relancé dans la vie, évidemment qu'un gravataire a droit à son salaire. Un gravataire, il n'est pas d'agent d'abord de gravataire. Sur moi j'ai envie d'arrêter. Bon, alors vous avez continué, vous avez transposé votre petit enseignement en conférence gesticulée ou en formation pour les syndicats, etc. Mais moi, j'entends bien. Mais d'accord, mais pourquoi attendre la retraite pour rompre, hein? On a souvent, au cours de notre vie, envie de faire autre chose. Et c'est même très important qu'on puisse sortir d'une activité qui n'a pas, sous un contexte qui est très intéressant, enfin qui nous pousse à faire autre chose, etc. etc. Je connais bien quelqu'un qui justement était dans les champs ligures, parce que la fête avait eu lieu, hein, pas les cadeaux ni la lettre, mais la fête avait eu lieu, et les champs ligures dans le patelin où j'ai fêté ma fête, ils ont été chantés entre autres par ce type. Bon, il a été maçon, il s'est cassé le dos d'ailleurs. Ensuite, il est devenu chef de chœur ligure. Et c'est dans la vallée de la Roya. Et puis, ensuite, il a repris une chèvrerie, il a remonté un équipement, il a restauré tout un endroit qui était abandonné aux ronces et tout ça. Sauf qu'à chaque fois, il est reparti à zéro. Pas normal. Le salaire doit être un attribut de la personne. La qualification qu'on a acquise dans son travail précédent, ben, on la conserve, y compris quand on est débutant dans un autre. On la conserve, on repart pas à zéro. Du salaire lié à la personne et du salaire qui se continue jusqu'à la mort. Donc, oui, il a raison de vouloir changer. Mais dès 18 ans. Et alors maintenant, il y a la question, mais qu'est-ce qu'ils font, Bernard, les retraités, dont tu dis qu'ils travaillent? Ça, c'est la question à 100 balles que me pose Harry Day, que me pose tout un genre. C'est pour ça que tu es intervenu. Je vais reprendre un passage extrêmement bien d'une vidéo que les plus jeunes d'entre vous ont dû voir, la vidéo de Usul sur le salaire à vie. Il y a un type qui tond du gazon. Il tond son gazon chez lui. Il fait un truc utile, sauf si on est pour la permaculture, mais en tout cas, il ne travaille pas. Il ne produit pas de valeur. Utile, mais pas productif. Un employé municipal, fonctionnaire territorial, tond du gazon. Alors lui, non seulement il ne travaille pas, mais il dépense. Dépense publique.
jamais rire. De droite, on va dire, mais ça paraît ça. Ça arrive aussi à gauche. À confier à Veolia l'entretien des espaces verts par une délégation de service public. Alors, l'employé de Veolia qui tond du gazon, évidemment, il travaille. Le travail n'est pas du tout défini par ce que l'on fait. Pas du tout. Vous voyez, on fait là la même chose. Dans un cas, on ne fait rien. Dans un deuxième cas, c'est encore pire. Dans un troisième, on travaille. Ce n'est pas le contenu de mon activité qui décide si je travaille ou pas. Il y a de fondement au travail que politique. C'est la lutte de classe qui décide de qui travaille ou pas. Qui décide de ce qu'est le travail, qui décide de ce qui vaut, de ce qui a valeur économique dans notre activité. Pour me faire comprendre par une métaphore qui ne désigne pas la lutte de classe, mais qui désigne des rapports de pouvoir. La domination masculine, ben, c'est le fait que les hommes décident que le travail, c'est ce qu'ils font. Et puis ce dont ils s'exonèrent, ce dont ils n'assument pas la charge mentale, c'est-à-dire le travail domestique, ben, ce n'est pas du travail. Il y a toujours un rapport de pouvoir dans ce que l'on désigne comme travail. Et la classe dirigeante, c'est la classe qui décide de ce qui a valeur, qui décide de ce à quoi on va travailler, c'est-à-dire quelles sont les activités qui contribuent à la production de valeur économique et qui organisent ces activités. La classe dirigeante, ce n'est pas les riches. C'est pas, je sais pas quoi, le 1% de l'élite. Ou plus exactement, la classe dirigeante n'a des sous que parce que elle décide du travail, elle l'organise et qu'elle fonctionne à son avantage une partie de la valeur produite. Donc, sortir du capitalisme, ce n'est pas prendre le pouvoir sur l'argent, pas du tout. C'est prendre le pouvoir sur le travail. Parce que dans le capitalisme, du point de vue du travail, nous sommes à poil. On a simplement un petit panier, un lot de consolation. Au point que lorsque l'on conquiert dans une logique communiste un attribut de la personne, le travail n'est plus étranger à la personne, c'est plus une réalité hétéronome dans laquelle il faut entrer, dont on sort. Ah ben non, c'est nier. C'est lié y compris par les organisations qui ont construit pourtant cela. Qui vont dire qu'un retraité relève de la solidarité intergénérationnelle. Si les mots ont un sens, ça veut dire qu'il ne travaille pas, il ne produit pas de valeur, il dépense. Et qu'est-ce qu'il est légitime qu'il dépense? Parce qu'il a mis au pot commun. Il a été solidaire quand il était actif. Maintenant qu'il n'est plus actif, bah, il a droit à la solidarité des autres. C'est le discours capitaliste sur le travail. Ne travaille que ceux qui mettent en valeur du capital, les autres dépensent. Qu'est-ce que c'est être révolutionnaire? C'est changer la définition du travail. Changer le travail, c'est changer la pratique de la valeur. C'est pas mieux répartir la valeur. Si la bourgeoisie avait mieux réparti la valeur féodale, en prenant l'argent dans les poches où il était, et Dieu sait si les aristocrates regorgeaient de fric, qu'ils le montraient en plus. Les bourgeois sont plus malins, ils le montrent pas trop, sauf les gros riches. Non seulement. Ils n'ont pas fait ça, qu'ils nous auraient fait rester dans la féodalité. On aurait mieux réparti la valeur féodale en sachant la féodalité. Mais ils ont même payé l'impôt pour reconnaître que c'était une classe dirigeante, que
la classe aristocratique. Et tout en payant l'impôt, ils ont dit, je t'emmerde, je ne bosse plus pour toi. Je ne forge pas mes chaînes en continuant la taille et la corvée. J'achète par l'impôt le droit de ne plus travailler pour toi, le droit de travailler comme je l'entends. Je vais changer ce qu'on appelle travail. Je vais changer le statut du producteur, je vais changer le régime de propriété, enfin je vais changer les institutions du travail. Puis quand ce sera changé, je changerai le régime politique, mais après. Parce que changer le régime politique, quand on n'a pas changé le mode de production, c'est nécessairement échouer. Voilà ce qu'a fait la bourgeoisie, qui est la classe révolutionnaire qui a réussi. Et voilà ce que fut une classe révolutionnaire en constitution. Marx et Engels définissent le communisme comme le fruit de la lutte de classe. Tous les pays capitalistes sont engagés dans une construction du communisme. Le communisme, ça s'observe, c'est une réalité empirique. C'est la construction d'une classe révolutionnaire qui va définir et pratiquer le travail autrement. Vous voyez qu'il y a un petit enjeu dans les pensions. C'est quoi travailler ? Est-ce que c'est avoir un salaire à la qualification ? Ou est-ce que c'est être employé de Veolia ? Aller sur le marché du travail, se soumettre à un capitalisme. Le travail n'a de fondement que politique. C'est la lutte de classe qui décide de ce qui est travail et de ce qui n'est pas travail. Donc, lorsque Harivé et d'autres économistes adhéraient, qui sont des braves gens, hein, savants en plus, hein, me disent, mais qu'est-ce qu'il fait ? Lorsque Husson dit, enfin quand... D'accord, quand je fais un article qui rend compte de ton bouquin, admettons que je travaille, mais quand j'écoute en boucle les chaussettes noires, ce qui montre son âge d'ailleurs, est-ce que je travaille ? Et puis il allait plus loin que ça. Parce qu'après tout, ce courriel-là, ce courriel sympathique, il est devenu Husson. Il dit quant au grabataire, Friot va quand même pas les payer. Pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas ? Voilà. À quoi on s'attaque ? Quand on adopte une lecture de la réalité comme une réalité contradictoire dans laquelle une lutte de classe fait bouger ce que l'on appelle travail. Donc, qu'est-ce qu'ils font les retraités pour dire qu'ils travaillent ? On s'en fout. Puisque quoi qu'on fasse, on travaille ou on ne travaille pas. Ce n'est pas ce que je fais qui décide si je travaille ou pas. Donc la question, qu'est-ce qu'ils font les retraités quand tu dis qu'ils travaillent, c'est une question d'idiote. Mais c'est compliqué de s'en débarrasser. Hein, je vous sens un peu turbiné là. Oui, bien sûr. Sortir de la religion capitaliste, c'est compliqué. C'est pour ça que je milite pour une toute autre laïcité, hein, qui soit la séparation de l'État et de l'Église capitaliste. Ça nous libérera de la laïcité raciste qui, aujourd'hui, prolifère. Et puis, ces économistes atterrés, ou l'expression... dans un mail de cette auditrice d'une de mes conférences, il nie complètement l'évolution du salaire. Le salaire est une réalité anticapitaliste. Je le dis fortement parce que un certain marxisme raconte sur la question n'importe quoi. Marx, évidemment, emploie le mot salaire, c'est le mot d'un homme savant au XIXe siècle. Il emploie le mot salaire pour désigner la rémunération capitaliste. La rémunération capitaliste, c'est d'abord la rémunération des travailleurs indépendants.
c'est la forme canonique du travail dans le capitalisme. Pourquoi ? Parce qu'un capitaliste ne veut surtout pas s'engluer dans une production précise. Il a besoin de mettre en valeur son capital en changeant tout le temps le lieu de cette mise en valeur et les formes de la mise en valeur. Aujourd'hui, on a nanoseconde même avec les outils électroniques. Et donc, s'il était employeur sur une production donnée, il s'engluerait sur un territoire, dans une production, avec gérer des hommes et des femmes. Il ne veut pas entendre parler de ça. Un capitaliste, il est donneur d'ordre. Il est donneur d'ordre. Il achète et il vend, mais il n'organise pas de production. Alors soit il achète et vend et exploite à travers l'achat et la vente le travail des travailleurs indépendants. Prenez un paysan et FNSEA. Pas un paysan pour Fédération Paysanne, c'est plus mal que ça. Un paysan et FNSEA. À 35 ans, il a 300 000 euros de dette sur le dos. Il va bosser pour le prêteur. Le Crédit Agricole lui pique une grosse partie de la valeur qu'il crée. Et puis, il faut qu'il ait des fournisseurs, évidemment. Bah, d'ailleurs, c'est n'importe quel fournisseur, à travers les prix qu'il pratique, fauche aussi une bonne partie de la valeur qu'il crée. Puis, il y a des clients. Il y a Lactalis, il y a la centrale d'achat de Leclerc, et là encore, hop, les groupes capitalistes lui piquent la valeur qu'il crée. Il s'en prend merveille à produire. Ah. Qu'est-ce qu'il lui laisse? Et c'est ça la rémunération capitaliste. De quoi produire encore demain? Il lui laisse le prix de sa force de travail. Il lui laisse les besoins, de quoi satisfaire les besoins nécessaires à telle activité. Les besoins de logement, d'éducation, de santé, etc. La deuxième forme canonique de travail au XIXe siècle, c'est le contrat de louage d'ouvrage. Le contrat de louage d'ouvrage, c'est un jeu à trois. Vous avez un capitaliste donneur d'ordre, vous avez un sous-traitant, qu'on appelle un marchand d'or, et puis vous avez des ouvriers. Le mot s'impose au XIXe siècle, c'est ceux qui font l'ouvrage. Le mot ouvrier devient le mot courant pour désigner les travailleurs, autres qu'indépendants, à cette époque-là. Il y a un tarif entre le donneur d'ordre capitaliste et le sous-traitant. Prenez le conflit classique, éponyme cette question, les canuts. Ben, les canuts, c'est des sous-traitants. Des sous-traitants qui vendent de l'ouvrage fait aux soyeux. Les soyeux ne s'emmerdent pas dans la production. Ils achètent une tonne de soie, un kilomètre de textile. Là, il y a un tarif avec un conflit sur le tarif, il y a une institution du tarif, il n'y a aucune institution du travail. Le travail des ouvriers, alors ça, tout le monde s'en fout. Aucune institution, aucun salaire. La paye, qui est la rémunération capitaliste, la reconnaissance des besoins qu'ils sont porteurs pour être encore au boulot demain. C'est contre ça que la CGT se constitue, à la fin du XIXe siècle. Contre le travail indépendant et contre la sous-traitance. Et elle gagne, c'est une dynamique considérable entre 1895 et 1910. C'est une dynamique telle que, évidemment, la bourgeoisie va interrompre tout ça par la guerre de 14. Le code du travail de 1910 interdit la sous-traitance, interdit le marchandage et oblige, mais là c'est pour eux, c'est un crime, oblige les capitalistes à devenir employeurs. Oblige Hubert à devenir employeur. Délivre, ou les actionnaires de délivre. Les oblige à devenir employeurs et c'est dans ce cadre-là, dans ce cadre de capitalistes qui s'expose comme exploiteur. Alors, comment il se cachait? Oh non, moi j'achète, je vends. HM, je ne sais pas ce qui se passe au Bangladesh. D'ailleurs, ceux qui achètent des habits HM non plus, parce qu'ils ont des clients, en tout cas. Et donc, l'obligation pour le capital
de se constituer, la bourgeoisie capitaliste se constitue comme employeur, l'invention de l'emploi, hein, le code du travail, il invente l'emploi, ça va être l'occasion d'instituer le travail. Le travail, enfin, va être institué, et il va être institué avec les règles de l'emploi. Et dans les règles de l'emploi, il va y avoir une mobilisation syndicale de la CGT absolument considérable sur le salaire à la qualification. Et le salaire à la qualification, qui démarre avec les conventions collectives, facultatives en 19, facultatives au sens où en 1919, elles n'engagent que les patrons signataires, donc les patrons de la branche qui ne sont pas signataires, ils ne sont pas engagés, donc c'est un échec. En 1936, la mobilisation populaire dans les occupations d'usines conduit à l'extension des conventions collectives en 1937, extension des conventions collectives, c'est-à-dire obligation pour les employeurs de la branche, y compris non signataires, de respecter les salaires à la qualification. C'est tellement insupportable pour la bourgeoisie que Daladier interdit la négociation collective dès 1938, en prétextant la préparation de la guerre. Et la liberté de négociation collective ne sera restaurée qu'en 1950. Et quand on regarde toutes les statistiques de grève des années 50-60, c'est autour de la convention collective. Le salaire est une réalité anticapitaliste. Parce que nous sommes payés à la qualification et non pas selon nos besoins. Le salaire, ce n'est pas du pouvoir d'achat pour des mineurs économiques qui ont droit à la reconnaissance de leurs besoins. Vous imaginez le mépris anthropologique qu'il y a à dire « Non mais t'es à poil, du point de vue de la valeur, t'es pas un producteur, t'as pas de qualification personnelle, t'as ton papier. » T'as droit à la reconnaissance de tes besoins, soigne-le bien, ton petit papier. On va t'envoyer d'ailleurs tous les ans l'état de ton compte. Vous voyez le mépris anthropologique qu'il y a à nier que nous soyons quelqu'un dans l'ordre de la valeur. C'est une bourgeoisie qui se réserve le monopole de la valeur. C'est pas d'abord une question de sous. Le salaire à la qualification n'est pas forcément plus élevé que la rémunération à la tâche. Moi, j'ai formé suffisamment de gens qualifiés. Pardon, moi-même, je dis des bêtises. Certifié, c'est-à-dire avec un diplôme. Vous voyez la différence entre qualification et certification. Votre diplôme, vous pouvez vous torcher avec, tant que vous n'êtes pas qualifié. Ça marche? Le diplôme, il reconnaît le travail concret. Je vais lire. La qualification, il reconnaît le travail abstrait, le travail en tant que producteur de valeur. Et poser qu'une personne est titulaire d'une qualification, ça c'est le poser comme responsable de la production de valeur, et donc comme légitime pour se construire comme classe révolutionnaire, c'est nous qui produisons, c'est nous qui décidons. Tandis que si on est des mineurs sociaux qui ont droit à du pouvoir d'achat, entretenez votre besoin de pouvoir d'achat. Donc, le salaire à la qualification, c'est toujours pour répondre à ces gens qui m'emmerdent en disant enfin, « Pourquoi tu dis que les retraités travaillent ? Qu'est-ce qu'ils font ceux qui travaillent ?» etc. Le salaire à la qualification, c'est un salaire qui n'est pas du tout la reconnaissance de mon activité. Je ne suis pas payé pour mon activité. Ça, c'est la rémunération capitaliste. Je suis payé pour pouvoir faire telle tâche demain. Je suis embauché sur un CDD avec un contrat de mission, avec un contrat de projet, avec un contrat de chantier. Je suis payé à la tâche. Ça, c'est la rémunération capitaliste. Contre cela, le salaire, c'est une rémunération communiste. C'est-à-dire que ce n'est pas mes besoins qui sont la mesure de ma rémunération. La mesure de ma rémunération, c'est ma contribution à la production de valeur. Alors, cette contribution, c'est une abstraction, c'est indice 575, c'est ETAM, OHQ, c'est corps B, sixième échelon.
Pourquoi? Parce qu'on prend tous les postes dans une branche et on les range par niveau de qualification, quel que soit le travail qu'on fait et mené. Et vous pouvez être informaticienne, hôte d'accueil, infirmier, je ne sais pas quoi, et puis vous allez avoir le même niveau de qualification. Vous serez payé pareil. Ce n'est pas ce que je fais qui décide de mon salaire. Ça, c'est la rémunération capitaliste. Si c'est ce que vous faites qui décide de votre rémunération, vous n'en ferez jamais assez. La libération, quel salaire, c'est le fait de dénouer le salaire de la photographie de l'activité. D'abstraire ma reconnaissance comme producteur de la mesure de ce que je fais. Je ne suis pas payé pour ce que je fais, je suis payé pour ce que je suis dans l'ordre de la valeur économique. Donc, ceux qui me disent « qu'est-ce qu'ils font, les retraités ?» Ce sont des gens qui nient tout le communisme déjà là, dans notre société. Ils en ont besoin. Nous verrons pourquoi ils en ont besoin. Tout à l'heure. Ceci est un sceau. C'est le sceau anthropologique du capital. C'est le sceau jaune. Il est jaune, mais je précise que si jamais une allusion un peu sotte aux gilets jaunes qui sont des imbéciles, je précise que je suis pour les gilets jaunes tout de suite. Ça va immédiatement clarifier la situation. Les sauts féminins ne sont pas des sottes. Oui, enfin, je crois qu'il faudrait quand même que vous le dispensiez du ridicule. Et donc, le son, ça m'évoque un incident récent dans la vallée de la Roya. J'habite donc, je suis encore entre Nancy et la vallée de la Roya, mais j'ai habité la vallée de la Roya, là où j'ai fait ma fête de retraite. C'est un territoire occupé, la vallée de la Roya. Nous dépensons 100 000 euros par jour à entretenir des gendarmes qui organise la chasse aux migrants et puis qui occupe le territoire. Ils sont d'ailleurs extrêmement impopulaires. Ils occupent le territoire, c'est-à-dire que dans le sens Italie-France, dans le sens ils s'en foutent, dans le sens Italie-France, si vous êtes en voiture, vous avez un checkpoint tous les 10 km avec trois gendarmes qui vous demandent d'ouvrir votre coffre au cas où vous auriez un migrant dedans. Si vous prenez le train qui passe par la vallée, alors là, régulièrement, il s'arrête à une gare, puis ça dure un quart d'heure, il y a trois gendarmes qui montent et qui demandent les papiers à tous les usagers du train. Ça retarde beaucoup, la SNCF veut fermer la ligne, donc c'est la classe dirigeante aime tout ça, mais les usagers, eux, sont extrêmement en colère. Et me trouvant cette situation, devant montrer mes papiers à trois gendarmes qui venaient de monter dans une gare, je me lève et je parle fort. Parce que si je fais ça tout seul dans mon coin, je vais m'embarquer évidemment. Il ne faut pas être suicidaire, il faut des actions collectives, publiques, qui s'appuient sur l'exaspération populaire. Je refuse de montrer mes papiers. Le gendarme qui sait qu'il est impopulaire, me répond « Je fais mon travail. » Alors je réponds « Mais non, vous êtes du travail de merde, un truc, mais c'est un je suis approuvé d'ailleurs. » Les flics, une fois qu'ils ont fait leur boulot, le sont les gendarmes. Vous voyez, la réponse « Je fais mon travail », c'est la réponse tout à fait classique, qu'on entend tout le temps. Je sais que je fais de la merde, mais je le fais quand même.
parce qu'il faut que je remplisse mon seau. Parce qu'il n'y a pas que le panier. Il faut que je remplisse mon seau. Je suis irresponsable s'agissant du travail. Je décide de rien de l'essentiel. Je souffre au travail. Et au moins, je remplis mon seau. J'aurais besoin d'aboiement supplémentaire, s'il vous plaît. On y va ? C'est bon truc, hein, papa. On a compris, il n'y a pas de. Ah oui ! Ah, mais c'est, je suis d'accord, il n'y a pas que les points retraite. C'est vrai. Il y a la mutuelle. Il y a le compte pénibilité. Il y a le compte jour. Il y a le compte formation. Et puis tout ça va devenir des droits fongibles dans le compte personnel d'activité. C'est-à-dire que avec mes points retraite, je pourrais choisir de partir plus tard, mais m'acheter une formation. Ou avec mes points jour, je pourrais améliorer mon chômage, etc. Et puis il n'y a pas que tous ces comptes, dont le compte central pour le moment, c'est le compte retraite. Et autour duquel le projet, c'est d'agréger tous des comptes, et chacun aura un compte. Il n'y a pas que des comptes, il y a un seau. Dans le seau, il y a de quoi rebondir. Il y a de la sécurisation des parcours professionnels. Là, ça peut servir à plusieurs choses. Là, ça peut être une porte de garage, vous voyez, pour pouvoir faire sa start-up. Dans les garages, ça se fait les start-up. On démarre à deux d'ailleurs, puis vous le savez, il n'y a plus qu'un d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi. Ça peut être ça, d'accord. Ça peut être aussi de quoi retaper un logement pour ensuite faire du Airbnb. Ben là, c'est pareil. J'ai peut-être choisi quelque chose d'un peu chic, mais ça peut être de quoi faire du blablacar. Je peux monétiser mon existence pour compléter mon seau. Je suis à poil du point de vue de la valeur. Je suis rien. Je suis irresponsable. Mais j'ai un seau. On peut même aller plus loin, vous voyez, parce que avec les responsabilités augmentées, je vais avoir une puce de sécurisation des parcours. J'aurai une puce de start. J'aurai une puce d'avenir. Blablabla. Je vais devenir mon son. J'en ai une responsabilité augmentée. Vous savez, ça se joue à des détails, cette affaire. Je ne sais pas, à Bordeaux, je suppose aussi. En tout cas, dans le métro parisien, nous avons été pollués pendant plus d'un mois par une pub d'Uber Eats. Il y avait à gauche un mec qui était augmenté, il avait des machins dans les oreilles, il avait au front, on voyait un truc qui lui disait quand il avait envie de pisser, je ne sais pas. Il faisait 45 minutes de cardio. Et puis, alors le même à droite,
Zéro minute de cuisine. Il se faisait livrer, si possible sous la pluie, si possible à minuit, par un étudiant, un plat industriel, avec un autre entrepreneur qui, dans la complicité entre l'acheteur et l'autre entrepreneur, entretenait le parasitisme des actionnaires de Uber. Et puis après, une fois qu'on a bouffé du sel, de la graisse et du sucre de la bouffe industrielle, parce qu'on a gagné 45 minutes de cuisine. Il faut aller suer dans une usine à muscles, montée par un groupe capitaliste dans un friche industriel, avec des animateurs payés à la marmoine. Il faut en finir. Ça suffit. Nous allons reprendre la main sur nos vies. Nous allons refuser le son. Alors je vous propose un autre ordre de manif, un peu différent de ceux derrière lesquels, en militant communiste discipliné, je dois défiler, hélas. En voici une. Brisons le sceau qui rend sang. Faisons le sceau qui rend beau. C'est un peu grand manif. On y va ? Vous voyez bien la différence entre le saut anthropologique du capitalisme, ce gros saut de mer, et le saut anthropologique du communisme dans la responsabilité économique. Le mot central du communisme, c'est responsabilité économique. On y va ? Brisons le saut qui rend sang, faisons le saut qui rend beau. Brisons le sceau qui rend sang, faisons le sceau qui rend beau. Alors, c'est pas de la grande poésie, mais ça m'évoque quand même un texte sur le beau. Le temps, nulle part, le radar là. C'est important un temps qui n'a pas d'horloge. Dans le capitalisme, le temps a toujours une horloge. Parce qu'on mesure la valeur par le temps de travail. Abstrait, ce serait moins nécessaire, etc. La bourgeoisie capitaliste, elle s'est posée dans l'espace avec un beffroi et sur le beffroi, une horloge. Le temps, nulle part, n'aura d'horloge. On ne calculera plus de la valeur dans le temps. Il fera beau. Beau de cette beauté sans père, où rien n'est peint, tout n'est que blancheur de la toile. Beau de cette beauté sans rides et sans nuages. Beau d'une beauté de bouche d'ombre. Beau d'atteindre le bord balbutiant du rêve. Il fera si beau de mourir, quand ce sera le soir d'enfin mourir, d'enfin. D'enfin, mon amour, d'amourir le soir, d'enfin mourir. Un soir d'aubépines en fleurs, aux confins des parfums et de la nuit. Un soir profond comme la terre de se taire. Un soir si beau que je vais y croire jusqu'au bout, dormir du sommeil de tes bras, dans le pays sans nom, sans éveil et sans rêve. Le lieu de toute chose se dénoue. Aragon, les chambres. C'est les derniers vers, édités par Aragon. Il a eu, après les chambres, les derniers adieux, mais c'est Jean-Vista qui les a édités. C'est les derniers vers du dernier poème d'Aragon. Donc c'est pas n'importe quel Aragon que je vois. Ce que vous disiez du truc de Frieux sans Aragon, c'est un jour sans soleil. Je vous remercie.